tu fais? Je suis en train de ranger des médicaments. Et ce que tu as mis dans ta poche? Oh, ça, c'est... C'est un petit mal de tête, je le prendrai tout à l'heure. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ton arcane! C'est quoi ça? Je me suis simplement battue. Ok, bon, bah viens ici. Je vais prendre des compresses parce que là, t'en as besoin. Bouge pas. Ok, alors attends. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Allez, viens. Ça, tu sais, un Ronon, il est toujours... On sort. Allez, viens, il y a un lit libre ici. Viens ici. Qu'est-ce que j'ai pas besoin de ça? Qu'est-ce que tu ne fais pas faire? Allez, on va très bien se retrouver dans les quartiers. Non. Ah, si tu voulais m'avoir en dessous comme ça, t'allais le dire. On est en service, arrange-toi. Je prépare ce qu'il faut. Bon, c'est vraiment pas nécessaire. C'est qu'une égratignure encore. Oui, mais moi j'ai bien m'occuper de mon petit chat à moi. Donc, je te soigne. Mon petit chat. Est-ce que tu peux me dire qui c'est qui t'a encore martyrisé comme ça? C'était simplement un entraînement avec Ronan. Avec Ronan, je t'ai déjà dit 1000 fois de pas le faire avec Ronan, il sent pas sa force celui-là. Il veut m'endurcir. Ouais, mais tu devrais d'abord commencer avec Taylor. Ça serait beaucoup mieux. Tu sais, Taylor n'est pas si douce que ça non plus, hein. Ouais, à d'autres. Moi, elle m'a appris quelques techniques, ce qui m'a permis de progresser dans mon self-défense. Ça m'a permis de, voilà, d'apprendre de nouvelles techniques. Mais voilà, elle est assez douce. Par contre, j'ai déjà vu Ronan à l'œuvre avec... Ça fait mal, un petit peu. Eh ben désolé, fallait pas se battre comme je viens de le faire. Mais tu sais, si tu veux apprendre des techniques, j'en connais très bien dans la chambre. Noah? Oui, chérie? Ferme-la. Tu sais que là, je perds du temps. Qu'est-ce que tu avais encore envie de faire? Bah, j'ai juste des clients à aller voir. Peut-être un rendez-vous avec un homme? Des patients. Mais il me semble que ta pause est dans 5 minutes. Oui, mais ranger les médicaments là, en réserve, ça m'a pris plus de temps que je le pensais. Donc, il faut que je rattrape mon temps. Donc la pause, ce sera pas avant 3 bonnes heures. Moi qui pensais m'enfermer avec toi dans mon bureau. C'est toi qui vas aller prendre une pause et prendre une bonne douche froide. Attention, ça va piquer. Bien fait. Hop. Rottweiler. Je m'en fiche. Voilà. Bon. L'avantage, c'est que ta blessure reste superficielle. C'est surtout du sang qui en a... Ouais, beaucoup de sang qui est sorti, mais pas besoin de point de suture. Tu vois qu'on en est plus doux que toi. La dernière fois, tu m'as carrément pété l'arcade. J'avais un bâton. Oh, voilà, je... Castiel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais. Ok, Castiel, calme-toi, ça va aller, ferme la porte. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Je suis venue te rendre ton œuvre littéraire, Noah, je l'ai posée dans ton bureau et... Tu avais prêté un livre? Quand je me suis retournée, Aurélia s'est littéralement jetée sur moi. À nous demander si cette fille n'est pas dérangée psychologiquement. Je me demande pourquoi elle est comme ça. Merci chérie, j'ai une surprise pour toi. J'ai dû me servir de mes pouvoirs pour la faire trébucher. Tu nous excuses Castiel, mais alors là t'as vraiment utilisé tes pouvoirs. Je suis pas fière, mais Aurélia veut ma peau. Écoute. Oh, Castiel. Tends sur ta tête. Merci de la solidarité, c'est pas vous qui vous faites pourchasser par une folle dingue. Elle a l'air vraiment mordue, là.
Oh, Castiel, on se moque pas de toi, c'est juste que c'est un peu drôle. Bon, allez, je vais faire un cadeau pour toi. Tu diras pas qu'après je suis pas une amie pour toi. T'as de la chance, moi je l'aurais pas fait. Aurélia ? Oui ? J'ai vu Castiel, il a dû partir en salle de détente. Et ton service, je crois qu'il est bientôt terminé. Oui, je me suis préparée pour lui. Si tu savais. En dessous. Oui, je vois ça, tu t'es acheté un... Le maître chien de Castiel. Oui, je suis pas sûre que ça lui plaira, mais quoi qu'il en soit, il est parti par là en salle de détente. Oui, par Castiel. Là. Bon Dieu. Bon. Ne me dis plus jamais que je suis pas une amie pour toi.